Bonjour à tous, bienvenue au live Simply Guitar. Donc Simply Guitar, c'est une application. On va découvrir Simply Guitar dès la création du compte. Donc il faut avoir une guitare classique ou acoustique, ça va. Après vous pourrez faire Simply Guitar si vous voulez. Donc là je vais faire démarrer. Là, démarrer. Allons-y. Hein. Attendez, ça charge. Ça télécharge, je crois, c'est une vidéo. Voilà. Bonjour et bienvenue sur Simply Guitar. Je plaisante, je vais pas vraiment porter ça. Bienvenue sur Simply Guitar. Nous serons là pour vous guider à travers chaque étape de votre voyage. L'appli va vous écouter jouer et tout vous apprendre depuis le début pour vous préparer à jouer les chansons que vous aimez, des artistes que vous aimez. Tout ça rapidement. Vous ne me croyez pas? Regardez ça. Alors préparez-vous à faire un bœuf avec vos amis très bientôt. Votre première chanson, allons-y. Écoute tandis que vous jouez. Alors pour la meilleure expérience, faites en sorte de placer votre appareil proche de vous et votre guitare. Ajustez le niveau de volume pour qu'il ne soit pas trop fort, mais confortable. Et retirez votre coque d'appareil si possible. Commençons par apprendre à tenir votre guitare. Comment la corder, jouer les cordes, et rapidement vous jouerez votre premier accord. Trois conseils importants avant de jouer. Asseyez-vous confortablement avec le dos droit et les deux pieds à terre. Déposez délicatement la guitare sur votre corps et faites en sorte d'accéder facilement aux cordes avec votre main. N'oubliez pas de vous couper les ongles avant de jouer. Ce sera bien plus facile pour appuyer sur les cordes. Très bien, commençons. Accordage de guitare. Donc j'attends ça charge. Donc vous pourrez apprendre à accorder votre guitare. C'est directement sur l'appli que vous accordez votre guitare. N'a pas 6 cordes. Soit vous tenez un banjo, soit vous vous êtes fait arnaquer sur eBay. Les cordes d'une guitare sont notées comme ceci. La plus fine corde est la corde numéro 1 et la plus grosse corde est la numéro 6. Au début, ça peut sembler à l'envers. Ne vous en faites pas, c'est la convention universelle et cela fera sens tandis que nous avançons. Vous voyez, la numéro 6 c'est celle-là. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La première corde.
corde, c'est la plus fine, donc la plus aiguë, c'est celle-là, tout en bas. Et la sixième corde, c'est la plus grave, donc tout en haut, la plus épaisse. Voilà, comme c'est écrit là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Correctement, et de recevoir un excellent retour de Simply Guitar. Voilà à quoi ressemble l'accordeur de Simply Guitar. Je vais vous montrer comment accorder la première corde, ensuite vous pourrez le faire vous-même. Suivez la corde numéro 1. Et cela peut être utile à ce point d'utiliser votre doigt pour la suivre tout le chemin menant à la clé correspondante. Sur la plupart des guitares, ce sera celle-ci. Habituellement, tournez la clé vers vous, libère la corde et fait descendre le pitch. La tournée loin de vous la resserre et fait remonter le pitch. Grattez la corde, laissez-la jouer et regardez l'accordeur répondre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu trop bas, alors je vais tourner la clé loin de moi pour remonter la corde. Ok, c'est bon, mais encore un peu trop bas, je recommence. Oups, je suis allé un peu trop loin et maintenant c'est trop haut, alors je vais tourner la clé vers moi pour redescendre. Et voilà, parfaitement accordé. Pour la prochaine étape, vous ferez l'accordage. Ok, donc on va apprendre à accorder ensemble. Alors, vous voyez là, il y a écrit 1 là. Donc c'est la corde la plus aiguë en bas. On va l'accorder, il faut que ça soit vert au milieu. Voilà, et vous tournez ici. Vous tournez là, les petits... Bon, on va l'accorder. Alors... Voilà, c'est bon. Merde. Pourquoi ça a fait ça? Bon, ça a accordé la première et après ça a fait... Alors... On va faire accordage guitare tout seul. Ah non. Bon, voilà, vous avez compris. Vous grattez une corde. Voilà, c'est sur la corde, l'accordeur qui est là. Vous grattez une corde plusieurs fois. Vous tournez la petite poignée qui est là. Et vous voyez si c'est vert. Donc, vous faites à partir, par exemple, de la corde la plus aiguë, la plus fine ici. Vous faites plusieurs fois, vous tournez. Après, vous changez de corde à chaque fois. Vous faites plusieurs fois. Voilà, ça fait comme ça. Et ça doit faire vert au milieu, au fur et à mesure que vous tournez, pour que ça aille le trait au milieu, ça doit faire vert et après quand ça fait vert c'est bon, la corde est accordée, vous faites toutes les cordes comme ça. Bon, on va continuer. Alors, corde 1, voilà, ça télécharge, ça charge. C'est la convention universelle pour lire et écrire à la guitare. C'est comme regarder les cordes de votre guitare d'en haut. Les notes que vous devez jouer apparaissent sur les cordes. La note suivante est sur la corde 1. Le 0 sur la note signifie que vous devez la jouer ouverte, comme ça. Pensez au 0 comme haut pour ouvert. De 1 sans toucher les autres cordes en même temps. Jouez avec votre pouce, comme ça. Thank you.
Ok. Donc, il faut jouer la corde 1. Il fallait jouer la corde 1, c'est écrit 0, donc elle était tout en haut. La corde 1, elle était sur la ligne d'en haut, sur le truc, parce que c'est comme les tablatures. Donc la ligne, elle était tout en haut sur le truc. Et donc tout en haut, la ligne, c'est la corde la plus basse sur la guitare. Donc la corde la plus fine, la plus aiguë, fallait jouer. Et c'était écrit 0. Donc 0, ça veut dire on met rien, la corde gauche, la main gauche, on met rien sur la guitare, et on joue 0 comme ça, direct. Voilà. Donc on continue. Alors, que sont les frettes? Ça charge. Donc c'est cyclique piano dès le début, création du conte, découverte. Avec la première commençant proche de la tête de la guitare et continuant depuis cet endroit. Pour jouer une note, pressez fortement la corde, juste derrière la frette de métal. Utilisez le bout de votre doigt en le gardant courbé, pas plat ni retourné. Ensuite, reposez votre pouce sur le manche, comme si vous faisiez le signe OK avec votre main. Pressez votre pouce et votre index ici. Donc vous avez vu, hein, quand il y a écrit 1, c'est fret 1 comme c'est écrit à partir de là. Fret 1, regardez, fret 1, fret 2, fret 3, voilà. Quand c'est écrit 1, si vous mettez le doigt là, en fonction des cordes, 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, si c'est en haut, la corde du haut, c'est en haut, la corde la plus en haut, vous mettez la corde la plus aiguë en bas, et c'est écrit 1, vous pressez ici, par exemple, ok? Et universellement marqué comme numéro 1. Le majeur est numéro 2, l'annulaire est numéro 3, et l'auriculaire est numéro 4. Pour l'exercice suivant, utilisez le doigt 1, votre index, pour jouer la première frette. Utilisez le doigt 2, votre majeur, pour jouer la seconde frette. Et utilisez, vous avez compris, jouons juste. Ok, donc là il expliquait, on peut jouer avec les quatre doigts de la main gauche. Donc les quatre doigts, et là, vous faites un truc logique, quoi, vous... Quand vous jouez la guitare, par exemple, si c'est fret 1, vous mettez le doigt lui,
Fret 2 le majeur et fret 3 voilà comme ça. Ou sinon ça peut être voilà comme ça. Bon, voilà, vous jouez avec le canon. Alors. Fret 1, 2, 3. Ça charge. Sur la corde 1, comme ceci. Pardon. Voilà, alors faut faire. Alors ça, c'est sur la corde 1. Donc corde 1. Le truc c'était de jouer la corde la plus basse, donc la plus aiguë ici, là, qui elle était en
haut, donc sur la tablature, et il y avait écrit fret 3, donc là je mettais le, voilà, fret 3, je faisais comme ça, je la jouais. Fret 3, je la jouais, par exemple, voilà, fret 3 avec comme ça, je la jouais, comme ça, fret 2, là, fret 2, la deuxième à partir de, du manche, je la jouais, fret 1, avec ce doigt-là, je la jouais, donc ça fait 1, 2, 3 et 0, comme ça, ok? Voilà. Donc là, on va faire la suite. Accord de 1 après. Votre premier accord EM. Accordez les cordes. On va devoir accorder les cordes restantes, en commençant par la corde 6. Accordons une corde à la fois. Donc là, on va accorder les cordes comme je vous avais dit. Alors, corde 6, ici, la plus grave. Voilà. C'est bon, ça fait vert. C'est bon, ça aussi fait vert, elle est accordée normalement. Alors corde 3, regardez, je tourne. Voilà, super. Corde 2. Attendez, ça refait alors. Je refais ça, voilà. Ok, on a accordé la guitare, donc je vous l'ai dit, hein, c'est direct sur l'appli, Simply Piano. Là, il nous a dit de faire comme ça sur la corde 6 et là voilà. Alors, l'accord EM.
C'est mi mineur, même. Jouer cet accord, placez votre doigt 2, votre majeur, sur la deuxième case de l'accord de 5, comme ceci. Maintenant, amenez le doigt 3, celui-ci, et placez-le sur la seconde case de l'accord de 4, juste en dessous de l'autre doigt, comme ceci. Ça, c'est l'accord EM. Donc, on va essayer de la faire. C'est ça, l'accord EM. C'est la deuxième case, et là... cinquième et quatrième corde. Ouais, c'est ça. Deuxième case et cinquième, quatrième corde. Comme ça. J'ai pas coupé mes ongles, mais bon. Ça donne normalement. Une corde à la fois. Cela vous aidera à vérifier que cet accord est correct et que toutes les cordes sonnent clairement. Maintenant, s'il vous arrive de ne pas gratter certaines cordes par accident, ajustez la position de votre poignet ou de votre pouce jusqu'à ce que le son retentisse correctement. Passer à la prochaine étape. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire, c'est de jouer la corde M et de vérifier que toutes les cordes elles sonnent. Donc là, on vérifie que toutes les cordes elles sonnent.
placez vos doigts sur les cordes. Assurez-vous de les placer près de la frette en métal, sans toutefois la toucher, comme ceci. Et pas comme ça, ou comme ça. Et veillez à appuyer fort sur les cordes avec le bout de vos doigts. S'il y a un bourdonnement, comme ceci, appuyez plus fort sur les cordes. Cela peut faire un peu mal, mais les marques sur le bout de vos doigts sont le signe que vous le faites correctement. Si le son semble légèrement étouffé, comme ceci, peut-être que vous êtes accidentellement en train d'empêcher la corde de sonner. Donc faites en sorte que vos doigts soient bien incurvés en ne touchant que les cordes qu'il faut. Donc on va passer à la suite. Vous avez vu, hein, c'était quoi? C'est ça. C'est fret 2, corde 5 et 4. Fret 2, corde 5 et 4. Voilà. Alors là, on va faire ensuite. On a fait premier accord EM, ensuite. Et votre première étape sur votre chemin pour devenir guitariste. Maintenant que vous connaissez les bases de la guitare et de la lecture de tablature, ensuite, vous allez pouvoir choisir votre propre chemin et commencer à apprendre des accords, les techniques de jeu solo, les motifs de grattage. En gros, tout ce que vous devez savoir pour jouer les chansons que vous aimez. Nous serons là pour vous guider à chaque étape de votre chemin, pour faire en sorte que vous réussissez avec des cours faciles à suivre, des exercices amusants, des tonnes de conseils utiles et bien plus. Avec de nouveaux cours ajoutés régulièrement. Des millions de gens ont réalisé leurs rêves musicaux avec nos applis primés. Maintenant, c'est votre tour. Alors, on a appris les fondations de la guitare,
On a appris la fondation de la guitare, la lecture basique de tablature et ce qu'on pourrait faire là avec l'application Simply Piano, c'est apprendre les accords basiques, de les jouer. Expanding your playing range, donc apprendre des chansons, etc. Et strumming patterns, voilà. C'est tout ce qu'on a. Avec l'abonnement premium, vous aurez accès à tous nos cours, chansons et exercices. Tout ce qu'il vous faut en un seul endroit. Accédez à un apprentissage structuré à la perfection, avec des guides étape par étape, des tutoriels vidéo et des exercices uniques adaptés à vos besoins. Avec le retour en temps réel de Simply Guitars, vous savez toujours quand vous êtes juste ou quand il faut encore vous entraîner. Nous sommes là pour vous aider à réussir votre aventure à la guitare. Commencez aujourd'hui et apprenez vos chansons favorites en un rien de temps. Voilà, parce que en fait, là après c'est bloqué, je crois. Ouais. Donc là, on a fini la première étape. Là, on a fini la première étape. Donc, voilà, on a fini la première étape, on a appris comment accorder une guitare, comment jouer une corde de guitare, apprendre la tablature et l'accord EM, donc mi mineur. Et là, il faut payer pour faire la suite. Donc, si vous faites Simply Guitar après, voilà, vous ferez ça et puis après, il faudra payer. Voilà, par exemple, là, il y a une chanson, si vous payez, c'est She Will Be Loved. Voilà, c'est le mec. Donc voilà, on a fini. Moi, j'ai pas payé, alors on a fini. Ouais. Avec Mais quand j'appuie sur le mec, là, ça me fait... Il faut prendre un abonnement. Je crois qu'on ne peut même pas faire de chansons. Ouais, il faut prendre un abonnement. Donc, sans abonnement, vous avez le cours, premier cours, et puis après, voilà. Voilà, les gens. Donc vous avez vu hein, ce qu'on a appris. Positionner la guitare, la posture, apprendre à jouer des cordes de guitare, apprendre à lire une tablature, apprendre l'accord EM, mi mineur. Voilà tout ce qu'on a appris. Voilà, donc maintenant on va y aller. Est-ce que... Ouais, on va y aller. C'est pas mal, hein, Simply Guitar, vous pouvez l'apprendre, l'application. Donc je vais vous dire à bientôt et merci pour le live d'être venu. Allez, ciao!